du meeting Stanislas de Nancy. C'est la 27e édition. Et évidemment, on attend beaucoup Christophe Lemaitre. Attention quand même à ses côtés. Bon, c'est un spécialiste du 400 qui l'a signé, mais Christophe Lemaitre, lui, il ne voit que ce 200 mètres dont le départ est donné sans faux départ. Christophe Lemaitre, il est au couloir. Le numéro 5 aujourd'hui, il veut courir en moins de 20 secondes 2. Et la blessure de Jeffrey John, malheureusement. Et Christophe Lemaitre, évidemment, qui aborde la dernière ligne droite en tête. Mais attention, parce qu'il a du monde à ses côtés avec le cubain. Skyer, c'est Christophe Lemaitre, voilà, qui est obligé de clocher. Voilà, il accélère encore un petit peu sur la fin. Garde la vitesse. 20-35. C'est bien dans ces conditions. Le vent légèrement favorable. 0,3 m par seconde. Le manque de chaleur n'aide pas non plus les sprinteurs. Et 20-35, c'est pas une mauvaise performance. Certes, il va être un poil déçu parce qu'il aurait aimé avoir un chrono inférieur à 20-20, et c'est ce qu'il était venu chercher. Mais Christophe travaille bien ici, il fera un bon départ, on le voit. Il revient légèrement sur le cubain. Jeffrey John se blesse dans le virage. J'espère que c'est pas trop grave. On va apparemment l'a handicapé pendant quelques temps. Et Christophe Lemaitre ici devant le cubain qui résiste très très bien pour s'imposer en 20 secondes et 35 centièmes. Ah, il a été obligé de s'employer, hein, Christophe Lemaitre, dans cette course. Finalement, même si le chrono est aussi dû, on le disait, aux conditions atmosphériques du soir, c'est vrai que devoir s'employer comme ça jusque quasiment dans les 30 derniers mètres, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'il a besoin aussi d'émulation, il a besoin de concurrence, il a besoin qu'on le pousse un peu dans ses retranchements. Bien sûr. Et Christophe, en 20-35, c'est pas son meilleur chrono, mais on vous le rappelle, hein, il a déjà signé le niveau de performance requis pour les Jeux Olympiques. Tout à fait. Quand on regarde le niveau global des sprinteurs ce soir, que ce soit les masculins ou les féminines, c'est évident que tout le monde est un peu sur la retenue en termes de chrono, dû, on le disait encore une fois, aux conditions. Mais Christophe a vraiment aujourd'hui assuré cette belle victoire. 20-35, la petite moue qui en dit long, hein. Ouais.